Bonjour et bienvenue au forum du Sommet mondial sur la société de l'information 2018. À mes côtés, Monsieur Rida Guelous. Bonjour. Bonsoir. Alors, Monsieur Guelous, vous êtes expert international en stratégie TIC et président de l'Association tunisienne des TIC. Vous avez également une longue histoire avec le Sommet. Racontez-nous, ça a commencé dans les années 90. À la fin des années 90, effectivement, et on peut dire que mon histoire avec le Sommet a à peu près 20 ans. C'est un âge d'adolescence peut-être, mais c'est effectivement un long parcours parce que c'est en 1998 que j'ai eu l'honneur de présenter au nom de mon pays, la Tunisie, une proposition visant à l'adoption d'une résolution pour l'organisation du Sommet mondial sur la société de l'information. Et c'était donc à Minneapolis, à la conférence des plénipotentiaires de l'UIT. Et qu'est-ce qui, selon vous, a caractérisé le sommet depuis le début ? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je crois que l'élément le plus important est et restera pour longtemps encore, et même à l'échelle du système des Nations Unies, le concept d'inclusion. Très tôt, il a été dit que nous n'allons laisser personne sur le quai. Tout le monde sera embarqué. Effectivement, c'est officiellement la première fois que nous avons ce qu'on appelle les stakeholders, les acteurs de la société de l'information, rassemblés sous le même toit, si j'ose dire, les gouvernements, la société civile, le secteur privé, le milieu universitaire et les organisations internationales. Donc, l'inclusion. Ceci dit, ce n'est pas le seul aspect. C'est, je crois, ce qui va nous accompagner à l'avenir dans les relations internationales. Par contre, le sommet a été, je crois, une innovation en soi, puisque c'est la première fois qu'un sommet se tient nativement en deux phases, l'une au nord et l'autre au sud, à Genève et à Tunis. Et donc, pratiquement, la communauté internationale a réappris le langage de l'inclusion grâce au sommet mondial sur la société de l'information. Nous avons eu, dans tout le parcours du sommet, deux grands débats. À l'intérieur du débat classique de la communauté internationale, nous avons eu le débat sur la gouvernance de l'Internet, et il ne faut pas oublier que 1998 a vu en même temps la naissance de l'ICANN, avec l'ensemble des problèmes de gouvernance qui devaient se poser fatalement, d'une façon ou d'une autre. Et il y a eu aussi la question du financement de la réduction de la fracture numérique. Voilà un peu ce qui a caractérisé ce sommet. Mais définitivement, l'inclusion est peut-être la caractéristique principale de ce sommet. Alors, nous avons évoqué le passé, le présent. Quid de l'avenir ? Comment voyez-vous le sommet évoluer dans les années qui viennent ? D'abord, je suis obligé de parler des deux phases, et à l'issue de la deuxième phase, la communauté internationale a adopté une déclaration, un programme de travail, mais surtout l'annexe à ces documents qui étaient ce qu'on peut appeler les 11 lignes d'action du sommet mondial, Action Lines du sommet mondial. Et je pense que c'est surtout à travers ces 11 lignes d'action, c'est la réalisation, la mise en œuvre de ces 11 lignes d'action, qu'il peut y avoir une véritable lecture de ce qu'a été le sommet en termes de réalisation, et qui va ouvrir la porte au travail à venir que nous aurons à faire autour du sommet mondial sur la société. Je suis personnellement en faveur d'une lecture des objectifs de développement durable à travers la lucarne
la fenêtre du sommet mondial sur la société de l'information. Les 11 lignes d'action s'accommodaient très bien pendant un temps avec les objectifs du millénaire. Aujourd'hui, nous avons 17 objectifs de développement durable. Nous avons toujours les 11 lignes d'action du sommet mondial, et auxquelles j'ajouterai une 12e ligne d'action qui est la gouvernance de l'Internet proprement dite. Et je crois qu'il y aura de la matière. D'ailleurs, la communauté internationale a déjà commencé à travailler là-dessus, puisque nous avons une matrice de recoupement entre les objectifs du millénaire d'une part, les 17 objectifs du millénaire, et pardon, les 17 objectifs de développement durable, et les 12 lignes d'action du sommet mondial. C'est une matrice dont la lecture est très très intéressante et qui peut préparer à une échéance d'évaluation en 2025, puis en 2030, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et ce sommet, c'est aussi un cadre que vous avez utilisé pour mettre en place votre stratégie pour l'éthique en Tunisie, un pays qui tente de diversifier son économie justement grâce aux nouvelles technologies de communication. À vrai dire, à l'époque du sommet mondial, je dois le dire, la Tunisie avait déjà beaucoup réalisé dans le sens du développement de la société de l'information, avec certains déboires, hein, faut pas croire, mais ça n'a pas été aussi, ni aussi évident, ni aussi facile. Aujourd'hui, je crois que le sommet mondial et les 11 lignes d'action officielles du SMSI restent une référence de travail pour l'ensemble de la communauté internationale, notamment pour la Tunisie. Et je pense que maintenant, avec les objectifs de développement durable, il y a une nouvelle rotation d'idées, une nouvelle rotation d'action. Et de réalisation qu'il va falloir observer d'une façon ou d'une autre. Alors revenons au forum à Genève, parmi les 250 sessions qui seront organisées cette année. Est-ce qu'il y en a certaines que vous ne voulez absolument pas rater? En réalité, il y a tellement de choses qui sera difficile de tout suivre. Disons que je reste fortement attaché à suivre l'évolution des stratégies. Vous savez, lorsque le sommet mondial a été lancé en 1998, les objectifs du millénaire n'avaient pas été annoncés, ni énoncés, pas plus que les objectifs de développement durable. Donc, comme vous le voyez, les stratégies évoluent. Elles font leur temps, et ensuite, il y a toujours un renouveau auquel il faut s'adapter. Et je crois que le forum SMSI reste une scène très très diverse, diversifiée, et elle peut représenter une bonne plateforme d'échange pour identifier davantage les enjeux futurs et ce qu'il y aura à faire. Le forum MUSIS me paraît être fondamental désormais, que ce soit pour le MUSIS, mais également pour le suivi des objectifs de développement durable. Monsieur Rida Guelouz, merci beaucoup. Je vous en prie, madame.